Yahoo mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour la première vidéo bonus du 30D Challenge Manga. Et tu te dis on est 31 billes et un foiré. Et puis tu me dis c'est un bonus. Donc tout simplement j'ai décidé pour ceux qui n'avaient pas pu faire une vidéo par jour et regarder les jours au compte-gouttes, de vous faire tout simplement une vidéo compilation, ce qui permettait d'être plus facile peut-être à visionner pour ceux qui voilà, n'ont pas envie de se faire ça après. Après le mois d'août, c'est plus intéressant pour ceux qui ne l'auraient pas vu de faire carrément la grosse vidéo. Donc j'ai divisé ça en deux fois, les deux vidéos sortent aujourd'hui, ce qui va complètement niquer mon ordinateur, clairement, mais c'est pas grave. Toujours est-il que donc j'ai divisé ça en deux fois, j'aurais mis à côté de moi tout simplement la partie 1 égale à quoi et la partie 2 égale à quoi, parce que je ne crois pas m'être arrêté à 1 à 15 et 15, 16 à 30 pour l'autre. Donc c'est pour ça que je préfère quand même réafficher à côté de moi. Donc je te laisse visionner tout ça et je te retrouve donc demain pour une vraie vidéo. Sur ce, à bientôt. Question numéro 1 et quel est mon premier manga? Donc ça je pense quand même que beaucoup connaissent la réponse. Mon premier manga que j'ai acheté, ça a été le manga Fruit Basket. Je le redis parce que de toute façon ça sert à ça. Tout simplement le manga Fruit Basket, c'est le premier que j'ai acheté parce que je l'avais vu, alors je sais même plus sur exactement quelle chaîne, je crois même qu'elle n'existe plus, mais c'était une chaîne télé qui mettait des dessins animés et il y avait le manga Fruit Basket qui était passé. Je n'avais pas vu l'intégralité à l'époque, j'avais aperçu quelques épisodes et j'avais adoré le coup que le garçon se transforme en animal dès qu'il était touché par une fille, je trouvais ça trop fun. Et un jour en allant dans le champ à Bordeaux-Lac, et ben, ils avaient commencé à mettre des mangas et tout simplement j'ai vu ce manga et j'étais ah mais le garçon me dit quelque chose sur la couverture du tome 3. C'était, si je dis pas une bêtise, le tome 3 c'est Kyo. Enfin, en tout cas, c'était Kyo sur la couverture. Et puis après, j'ai tiré le tome suivant. Il y avait Yuki, il y avait Shigure, donc la souris, et, enfin la souris, le rat et le chien. Et je les ai reconnus. J'ai commencé à ouvrir le bouquin 1 à voir donc que c'était bien la série que j'avais vue en animé. Et malgré le fait que je n'aime absolument pas lire, j'ai jamais lu de livre en entier, enfant. À part qu'on m'a vraiment forcé, mais ce que je veux dire, c'est que même quand j'étais au collège, il fallait lire des livres. Et je les refilais à ma mère et elle me faisait un récap dans la bagnole en allant au collège. C'était pratique, il y avait 15 minutes, donc il y avait quoi faire. Mais sinon, en soi, même des livres que j'ai achetés, même les livres de Disney, là, de Françoise Hir, je les ai jamais lus. Je lisais une page et puis... au revoir. Je regardais les dessins, je lisais une page et puis hop, ils sont tous dans une caisse. Voilà, ils s'attendent. Ils sont tous dans une caisse, je les lirai jamais, mais je les ai. Voilà. Et Fruit Basket, donc ma mère a vraiment beaucoup hésité, elle était ah ouais, mais tu vas pas le lire, tu sais bien que tu lis jamais. Là, j'ai insisté en disant non, mais maman, regarde, en fait, c'est plus ou moins une BD, il y a des bulles et il y a un texte, même si les BD franco-belges, ça n'a jamais été mon délire. Mais je lui dis, oui, mais en même temps, il est passé à la télé il y a quelques années et je l'ai reconnu, donc je pense que ça peut le faire. Et puis au pire, c'était à l'époque où les mangas étaient peut-être un peu moins chers. Je lui avais dit, de toute façon, voilà, au pire, c'est un manga, enfin un bouquin et on verra bien si ça passe ou pas. Je l'ai. Donc ça, c'était un samedi après-midi. Et le dimanche, je commençais, donc je galérais à savoir où étaient les bulles et compagnie, dans quel ordre fallait lire et autres. Et puis comme j'étais pas habituée à lire, j'étais pas, voilà, donc forcément j'étais beaucoup plus lent que maintenant. Et j'ai passé tout le dimanche en fait à lire le manga. Et là ma mère elle a été choquée. Parce que quand elle m'a vu passer dans la pièce et qu'elle me voyait en train de lire et de vraiment lire, elle était sur le cul. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça a commencé avec le manga Fruit Basket dans l'ancienne édition bien entendu. En ce qui concerne ce manga, je vais juste te dire un petit truc, c'est que je l'aime tellement et il a tellement été important à mes yeux que j'envisage d'essayer de retrouver les autres versions qui ont été faites. Parce que je sais que Françoise Hir l'a fait mais je n'ai toujours pas vérifié si l'édition de Françoise Hir était toujours disponible ou pas, s'il y avait moyen ou pas de l'avoir. J'aimerais énormément l'acheter et bien entendu maintenant la perfect édition, je compte l'acheter, mais actuellement j'ai un petit peu des petits soucis d'argent pour m'acheter mes mangas, donc je vais attendre un petit peu de les choper peut-être en occasion ou un truc comme ça, mais je les veux absolument juste pour la collection, juste parce que c'est Fruit Basket et c'est le premier
et que je l'ai vraiment aimé. Je sais que j'ai des amis d'ailleurs qui ont commencé les mangas et le premier n'a pas forcément été le meilleur, mais ils ont continué et ils sont tombés sur après, au bout du deuxième ou troisième, sur le truc vraiment qui leur avait plu. Moi, c'était dès le premier, ça a été réellement un coup de cœur. Certes, j'avoue, d'ailleurs, je n'ai jamais fini le manga parce que tout simplement, j'avais lu et relu à l'époque où ça sortait, etc. Mais maintenant que Fruit Basket Another est en train de sortir, vu qu'en plus il met pas mal de temps à sortir et qu'il est qu'en 3 tomes, c'est ça qui est un petit peu chiant, et ben, je pense que quand Another aura fini, Fruit Basket Another, bien entendu, aura fini de sortir, je pense que je vais me refaire l'intégralité de la série. Jour numéro 2. Et la question est, c'est je crois la plus salope de toutes, je suis désolée, mais quel est ton manga préféré? Et honnêtement, en ayant lu plus de 500 titres, je crois, donc je ne me voyais pas te répondre un seul titre. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai regardé ma liste de mangas et que j'ai regardé ça par maison d'édition. Et je t'ai fait donc un tri et je t'ai sélectionné vraiment mes plus gros coups de cœur par maison d'édition. Donc chez Akata, j'ai été sympa et j'ai essayé à chaque fois de sélectionner que deux titres, voire quand j'en mettais un qui était stoppé, d'en rajouter un pour avoir toujours deux titres non stoppés. Donc chez Akata, j'ai sélectionné en fait La fillette au drapeau blanc, voilà, qui est un one shot qui est sorti en hiver l'an dernier. Et c'est vraiment un manga génialissime. Alors je t'ai pas mis le manga sans aller à l'école, je suis devenue mangaka parce que il est génial, ça c'est sûr, mais chez Akata j'ai quasiment que des coups de cœur, donc c'était très compliqué. Et surtout que sans aller à l'école je suis devenue mangaka, je t'en ai parlé dans d'autres épisodes, donc d'autres journées, donc forcément je me voyais pas te le remettre là-dedans. Et en manga numéro 2 chez Akata, je t'ai mis le manga Le mari de mon frère, qui est un manga terminé en 4 tomes que je t'ai présenté en mai pour la journée internationale contre l'homophobie, et c'est vraiment un manga génial et qui est vraiment très intéressant à lire. Pour les éditions Asuka, je me suis contentée des yaoi parce que j'ai lu quelques mangas qui n'étaient pas des yaoi de Asuka. Et en fait, comme c'est que des mangas qui ont été stoppés, j'étais cool et je ne te les ai pas cités. Par contre, chez Asuka, j'ai noté Lovely Teacher, qui est un manga, si je dis pas de bêtises, si c'est celui-là, qui est toujours en cours parce qu'en fait, il était terminé en 2 tomes à temps et l'auteur a écrit une suite. Pour les éditions de Delcourt, on va avoir Alice in Borderland. Donc ça, c'est dans les shonen seinen. Et en shoujo, je t'ai sélectionné Switch Girl, qui est un manga en 25 tomes. Et d'ailleurs, Alice in Borderland, il est aussi en pas mal de tomes. Je sais, ce sont deux séries très très longues, mais ce sont vraiment, à mes yeux, les meilleures chez Delcourt. Après, je t'ai pas fait du... Je sais plus si je t'ai sélectionné un Delcourt Tonkam. Si c'est pas le cas, je retournerai vite fait dans ma chambre tout à l'heure, voir si... dans ceux qui sont vraiment entièrement Delcourt Tonkam, lesquels je sélectionnerai. Mais forcément, là, c'est des séries où, par exemple, Alice in Borderland a commencé avec du Delcourt et quand il y a eu la fusion, a été chez Delcourt Tonkam. Donc forcément, c'était un petit peu compliqué et c'était pas noté, en fait, sur le site que j'utilisais pour avoir ma liste. Chez les éditions de Doki Doki, il faut savoir, comme tu le sais, qu'il y a très, 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 très souvent des flops pour moi, mais je t'ai sélectionné donc dans ce que j'ai aimé. Bah, il n'y en a eu que deux réellement que j'ai aimé, c'est Sa Majesté le Chat, qui est un kodomo, et Kimok, qui est un manga, ça doit être un shonen je pense, qui parle de l'univers du mangaka avec quand même pas mal de fanservice si je dis pas de bêtises. Donc je tiens à préciser que ce manga Kimok, je le possède toujours et j'envisage tout simplement de le garder, de me le relire une fois que j'aurai déménagé, parce que je me garde pas mal de séries comme ça que j'ai déjà lues mais qui ont besoin d'être représentées pour quand j'aurai déménagé, tout simplement parce qu'à mon avis je vais avoir quelques petits problèmes financiers à partir de ce moment là et je préfère avoir pas mal de stock au niveau des mangas, donc vidéos à vous faire sans avoir à dépenser. Ensuite, on passe chez Glénat. Et chez Glénat, en fait, je vais plus te citer un mangaka que j'apprécie énormément. C'est Wataru Yoshizumi, si je dis pas de bêtises au niveau du nom du mangaka. C'est l'auteur qui a fait Spicy Pink, je sais plus le nom, Ultramania et d'autres mangas. Je vais te mettre toutes les images de toute façon. Ce sont vraiment des mangas que j'ai surkiffé et il n'y a vraiment que des mangas super intéressants. Et en plus, l'auteur a fait et du josei et du shoujo, donc ça permet en fait à tout le monde d'avoir ce qui lui correspond le mieux, donc je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, chez les éditions Hot Manga, donc attention, on va parler de hentai, mais bien entendu, les images seront censurées. Il n'y en a que 2 sur les 4 mangas, ou même plus, je crois que j'en ai lu 6.
je sais plus. Mais en tout cas, sur les 4 premiers mangas que j'avais lus, il n'y en a que 2 que j'ai réellement gardés et que j'ai vraiment appréciés. D'ailleurs, ce sont les 2 seuls d'autres mangas que j'ai gardés. C'est I Am Pure, je sais plus quoi. Et Wife Swapping Game. Je suis désolée pour la prononciation, je suis une catastrophe en anglais. Donc voilà, ça ce sont vraiment les 2 hentai que j'ai préférés en manga. On va passer à Boys Love et là ça a été vraiment très 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 dur. Donc on a la mangaka Noriko Akuto, je crois si je dis pas de bêtises au niveau du nom, pour ce qui est des mangas yaoi à 4,99€. On va avoir surtout cette mangaka là que j'aime énormément, mais après il faut savoir quand même que j'ai une grosse grosse liste chez Boys Love de ce que j'ai lu, donc c'était très 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 compliqué de faire une sélection. Et pour ce qui est de la collection Anna, je te dirais principalement Mods, Talon Aiguille Rouge et Nouveau Départ. Ce sont vraiment mes 3 plus gros coups de cœur, je pense. Après, il y a bien entendu L'étranger de la plage, mais comme je n'ai lu que L'étranger de la plage et je n'ai pas encore lu L'étranger du Zéphyr, ce qui va pas tarder pour le mois d'août, je ne peux pas juger en fait. Je n'aime pas juger une série ou te proposer comme ça une série de dire L'étranger de la plage, alors que par exemple, je n'ai pas encore lu L'étranger du Zéphyr qui est la suite. Donc voilà en ce qui concerne pour Boys Love. Ensuite, on passe donc aux éditions Kana. Je t'ai sélectionné principalement 2 titres, dont un qui a été stoppé, j'en suis désolée. C'est donc Détenu 042 qui va être un seinen, terminé en 5 tomes et qu'on retrouve très facilement en dépôt vente. Enfin, en truc de manga d'occasion. Et j'ai sélectionné en shoujo le manga Le Sablier, parce que pour moi, c'est un méga coup de cœur. Ensuite, on va avoir chez Kazé. En fait, j'ai un petit peu triché chez Kazé, jamais. Alors, The Promised Neverland, je ne le mettrai pas dans cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai lu que le tome 1 et je n'ai pas lu la série complète. Donc, je ne me permettrai jamais, en fait, de le mettre dans ce genre de sélection-là, vu que c'est censé être, à mon avis, sur des séries que j'ai terminées. Voilà, je tiens à préciser. Donc, on va avoir le manga Blue qui a été stoppé. Les gros méchants, parce que franchement, il était génial. Je vais pas tarder à me le refaire. D'ailleurs, je dois me le refaire là. Je vais commencer à le lire pendant le week-end à Mille, normalement. Qui est le week-end là qui arrive. J'ai mis tout simplement les œuvres de Maki Njoji, parce que c'est vraiment une mangaka que j'apprécie énormément au niveau de son travail. Et donc, j'ai mis ça. Et j'ai marqué en shonen Poshi et Kuro, qui est donc un manga en 4 tomes, collection Halloween. Moi, il est dans, voilà, pour la collection Halloween, et il est génial ici. Ensuite, on va continuer, donc, après Kazé, on est avec Kiyun. Alors, Kiyun, il y a le berceau des esprits, et l'île de Ozuki, je crois, que j'ai sélectionné. Et après je t'ai sélectionné le manga Nui, qui est un manga terminé en 3 tomes et je crois qu'il a été stoppé. Mais j'avais vraiment apprécié cette lecture, je l'ai essayé de le relire il n'y a pas très très longtemps, mais c'était trop proche au niveau des 2 lectures. Donc au final j'attendrai un peu plus tard pour le relire et te le présenter. Mais c'était vraiment un manga plutôt sympa, assez changeur de ce qu'on a l'habitude de voir et donc j'ai vraiment apprécié. Pour les éditions Komiku, le problème de chez Komiku c'est que honnêtement il y a pas mal de séries que j'ai appréciées, mais souvent les fins sont foirées. Donc je t'ai sélectionné un seul titre, c'est Kiriko, voilà, qui est un one shot et qui était génial. Chez Kurokawa ça a été quand même assez compliqué parce qu'au final là aussi je possède beaucoup de séries de chez eux. Et j'ai sélectionné donc Je t'aime Suzuki et Prince Eleven qui sont les 2 mangas d'un même mangaka. J'ai sélectionné le manga Life qui est un manga en 20 tomes qui a été stoppé et c'est dommage parce que c'était un manga très intéressant et surtout qui a eu une suite au Japon. On va avoir Prince des Ténèbres et Worlds qui sont pareil du même mangaka et surtout ce sont des suites et j'ai adoré les 2. Et pour terminer, côté un peu plus adulte et plus mature, on va dire ça comme ça, j'ai aimé Nozoki Anna. Chez Panini, j'ai sélectionné que 2 titres malgré quand même que j'en ai lu pas mal chez eux. Je t'ai sélectionné le manga Dites-moi que j'existe que je représenterai à volonté et que je vais te parler d'ailleurs. Je crois 2 ou 3 fois peut-être dans ces 30 jours. Je suis désolée. Et pour ce qui est du manga qui est toujours disponible, je t'ai sélectionné le manga Inséparable, qui est un manga, si je ne dis pas de bêtises, en 12 tomes. On passe chez Pika. Et chez Pika, j'ai sélectionné 3 titres, voire même peut-être un 4e. J'ai sélectionné Genzo le Marionnettiste, qui est un manga terminé en 5 tomes, mais qui a été stoppé. C'est pour ça que je t'ai rajouté 3 autres titres après.
J'ai sélectionné la mission Inmate-sama au niveau des shoujo. Et pour ce qui est du shonen seinen, j'ai sélectionné donc en toujours commercialisé Kamen Teacher et Kamen Black Teacher. Chez Soleil, ça a été énormément compliqué au final de faire une sélection, tout simplement parce qu'au final, chez Soleil, c'est quand même la maison d'édition chez laquelle j'ai le plus de mangas avec Boys Love. Donc j'ai un peu triché, j'ai sélectionné le manga de Saki Aikawa, les mangas de Kako Mitsuki, qui est donc une mangaka qui a 4-2 disponibles en France, et pareil, je t'en reparle dans le mois parce que il y avait sa place. J'ai essayé de regarder donc après dans tout ce qui était donc les autres catégories que le shoujo classique, donc la catégorie gothique et la catégorie shonen et seinen que je possède. Et là, je t'ai sélectionné en catégorie gothique un manga en 3 tomes et je crois qu'il a été stoppé. C'est Bride of the Dead, qui est vraiment un manga très intéressant et assez changeant de ce qu'on a l'habitude de lire. Et j'ai sélectionné le manga Arachnid, terminé en 15 tomes ou 14, je sais plus. 14, je crois. 15. J'ai un doute. Mais toujours est-il que c'est un manga qui a été terminé il n'y a pas très très longtemps, au niveau de quasiment la Japan Expo, voire juin. Et c'est un manga vraiment que j'ai su apprécier. Chez Soleil, dans la catégorie érotique, donc il y avait quand même pas mal de mangas que j'ai lu chez eux. Et j'ai sélectionné juste une série en fait, enfin un manga qui était une réelle histoire, qui est donc le manga Chocopa, service compris. Chez Taifu, ça a été un petit peu compliqué de faire une sélection, surtout qu'il y a un titre, en fait, je me rappelais plus trop au niveau du résumé, donc je te mettrai l'image si c'est le cas. Sinon, j'ai sélectionné le manga Omae wa Itsuji, que j'ai trouvé quand même plutôt mignon et assez intéressant, et je l'ai présenté il n'y a pas très très longtemps. Donc on termine avec les éditions Tonkam, et donc chez Tonkam, j'ai sélectionné le manga Lovely Friday. On va donc terminer, comme je te l'ai dit à l'instant, avec la maison d'édition Delcourt Tonkam, donc la fusion. Et je vais te sélectionner tout simplement le one-shot Horror Summer Holiday, qui est sorti je crois à peu près il y a un an, et donc j'ai forcément fait une vidéo, et qui était un manga plutôt sympa et assez intéressant à lire. On se retrouve donc pour le jour numéro 3, et la question est, quel est mon mangaka préféré? Et la question est quand même assez dure pour moi, parce qu'il faut savoir que j'ai lu, je crois quand même, plus de... je sais plus combien de titres, mais c'était quand même un petit peu impressionnant le chiffre quand je l'ai vu il y a pas très très longtemps. Et quand en fait j'apprécie une œuvre d'un mangaka, j'essaie de lire toutes ses œuvres, et donc forcément déjà ça fait beaucoup de mangaka en fait où j'ai pas mal d'œuvres de. Il y a honnêtement le mangaka Toru Fujisawa que je pensais en fait adorer, parce que il faut savoir que je possède quasiment. J'ai quasiment possédé la moitié de ses œuvres. Si t'enlèves GTO en saut de base, toutes ces petites œuvres, je les avais quasiment toutes. Il me semblait, en fait, parce que ça date de tout début, de quand j'ai commencé vraiment le manga, juste après Fruit Basket quasiment, j'avais lu ses autres œuvres. C'est Toko Zero, Rose Rapid Zero, après il y a eu Kamen Teacher, etc. Mais au final, je me rends compte que finalement, je n'aime pas spécialement forcément toutes ces œuvres. Donc, Toru Fujisawa ne fait en fait plus partie de ces mangaka que je pensais surkiffer. Oui, parce que honnêtement, soyons honnêtes, surkiffer un mangaka juste pour GTO et l'ensemble de GTO, alors qu'après toutes ces autres œuvres te plaisent pas, au final, c'est aimer une œuvre. Parce que GTO, Young GTO et tout ça, ce sont des suites. Donc voilà. Pour moi, donc Toru Fujisawa déjà ne fait plus partie de cette liste. En ce qui concerne les mangaka, alors, quand j'ai commencé le manga, il y a une mangaka que j'ai adorée, toutes ces œuvres que j'ai pu lire. C'est celle qui a fait le manga Care First Love et Kiss in the Blue, si je dis pas de bêtises, je t'affiche de toute façon les images et le nom du mangaka. Ça, c'est une des premières mangaka que j'ai appréciée. Après, est-ce que j'aime encore ses œuvres ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Je compte relire ses œuvres, oui, dans très 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 longtemps, parce que j'essaye en fait tout simplement de ne plus me rappeler de ce que j'ai pensé de ses œuvres, parce que j'ai encore trop les titres en mémoire. Donc voilà en ce qui concerne ça. Après, j'ai quand même plus me pencher chez Soleil, avec Saiki Aikawa, qui pour moi est une valeur sûre, surtout quand tu veux commencer du shoujo, Saiki Aikawa est une valeur sûre. Il y a une autre mangaka où j'ai lu 4 œuvres, c'est les 4 qui sont disponibles en France d'elle, et j'ai vraiment aussi énormément apprécié son contenu au niveau de ces 4 œuvres. On n'a pas tout en France, et c'est bien dommage parce que je crois qu'elle avait 7 œuvres de disponibles au Japon, un truc comme ça il me semble. Et ça j'ai vraiment du mal à accepter en fait.
C'est pour ça que pour moi-même, en fait, je ne regarde quasiment jamais ce que possède le mangaka au Japon, enfin, la différence France-Japon, parce que ça me dégoûte. Voilà, par exemple, moi, il y a des mangaka que je surkiffe, et en fait, on n'a qu'une seule œuvre, deux. Et l'auteur au Japon, il a plein d'œuvres, et ça m'énerve plus que tout, donc voilà. Il y a plein de mangaka où j'ai une œuvre, j'ai deux œuvres, trois œuvres, et je trouve pas ça suffisant en fait. Quatre déjà, ça commence à être intéressant, mais après deux ou trois œuvres, je trouve pas ça suffisant pour dire que j'aime vraiment le mangaka en soi. Mais il y aurait peut-être l'auteur quand même de Switch Girl, parce qu'il y a eu Switch Girl, il y a eu Class et il y a eu Hungry Princess de cette mangaka, donc je sais pas s'il y en a pas une quatrième œuvre, mais déjà il y a eu trois mangas de cet auteur que j'ai vraiment apprécié. Mais ça va pas être réellement un coup de cœur. Si je devais vraiment citer un coup de cœur, c'est la mangaka, donc quand j'ai commencé les mangas, c'est de Care First Love et Saki Aikawa. Dans mes deux gros coups de cœur, c'est ces deux-là. Après, il y a aussi Maki & Joji qui est chez Kaze, mais c'est du Josei par contre. C'est pas du Shoujo, c'est du Josei. Et j'aime énormément son travail. Et il y avait un mangaka en yaoi, mais alors je sais plus du tout, il m'en revient pas tout de suite, donc on va dire que... Pour le jour numéro 4, la question est un manga que tu recommanderais à tout le monde. En fait, c'est pas un manga en particulier que je recommanderais à tout le monde, mais plus une catégorie de mangas. Les mangas qui vont parler de vie réelle. Je pense notamment à... Biter Virgin ou Virgin Biter, je ne sais toujours pas l'ordre précis de ce titre. Le manga Life, le manga Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Il y a eu plusieurs autres mangas comme ça de cette catégorie-là où on a des histoires vraies. La fillette au drapeau blanc des éditions Akata aussi. Après on a aussi des éditions Akata, le paysan avec la pomme, je ne sais plus du tout le nom, je suis désolée pour Akata. Mais voilà, ce genre de manga, surtout ceux qui vont un peu plus vers le côté drame, tout simplement parce qu'en fait, au final, sans s'en rendre compte, on bouffe une vie. On bouffe la vie de l'autre personne en ayant lu. Je pense aussi, par exemple, à un film d'animation que j'ai présenté il y a peu sur ma chaîne, qui est il y a eu donc tel père, tel fils, et notre petite sœur de... Kore-eda Hirokazu, si je dis pas de bêtises au niveau de la prononciation du nom, qui était aussi dans le genre drame, et au final, bouffer la vie d'une autre personne, entre parenthèses, hein, mais bouffer la vie d'une autre personne comme ça en lisant, oui, parce que pour moi je bouffe un livre, quand je lis, je le bouffe, voilà. Mais ça te fait réfléchir à certaines choses, et ça te permet de mieux comprendre aussi certaines personnes. C'est-à-dire que par exemple, le manga Life, même si je trouve ça dommage au final, plus ou moins, que ça se termine bien, si je dis pas de bêtises, et que d'ailleurs dans la vidéo je disais bien que toutes les histoires ne se terminaient pas bien par rapport à ça, au harcèlement scolaire. Ah, le manga Class aussi, qui en fait partie des éditions Delcourt, je crois, c'est anciennement, hein, Delcourt. Où en fait, tout simplement, avec le côté drame, là l'automutilation, ça te fait vraiment réfléchir et ça te fait vraiment... analyser de est-ce que finalement, si cette personne que j'ai dans ma classe qui est en train de se mutiler, si je le sais, je le vois, c'est pas qu'elle fait ça comme ça, c'est qu'elle souffre énormément pour en arriver à faire ça. D'ailleurs, moi j'ai fait une vidéo sur l'automutilation, donc je t'inviterai à la voir ici en barre d'infos pour découvrir moi mon vécu. Mais au final, personnellement, si je n'avais jamais fait d'automutilation en lisant le manga, même si ça fait déjà partie de ma personnalité, j'aurais déjà été comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en ayant lu ce manga, je comprends mieux ce genre de personne. Et je n'aurais pas laissé cette personne-là dans ma classe, par exemple, se mutiler. Et voilà, je pense aussi... Ah si, il y a aussi des éditions Kana, le manga Akuma to Love Song, qui parle aussi un peu du harcèlement scolaire. Et tout ce genre de manga là, ça fait vraiment réfléchir, surtout quand on est jeune, qu'on est encore à l'école. Ça fait vraiment énormément réfléchir à son comportement. Et là où je pense que d'ailleurs une de mes abonnées m'avait dit que les adultes lui avaient répondu que c'était juste des taquineries, c'était rien et qu'au final, en gros, démerde-toi avec ta merde et puis basta. Ben non, justement, et là,
en ayant lu ce genre de manga, tu réfléchis un peu plus, tu cogites à ta façon d'être, à ta façon de penser, à ta façon que tu aurais, toi, de voir les choses. Et tu te finis par peut-être agir et peut-être que tu sauveras une personne. Parce que personnellement, je vais te dire un truc très clair. Au collège, je n'ai eu personne. Sur un collège de 900 élèves, j'ai eu personne de mon côté. Personne. Parce que justement, c'était fun qu'il y ait une victime. Donc voilà. Mais tu vois, il y a eu une année où il y a eu un garçon. Et il ne m'a jamais embêté. Il n'a pas pour autant forcément des masses protégées en disant arrêtez de l'embêter, arrêtez machin bidule. Mais il a fui une ou deux fois. Mais je pense que quand t'as toute la classe qui est contre une personne, tu oses pas non plus te rebeller. Mais cette personne, tu vois, le fait qu'elle ne m'ait jamais embêtée d'elle-même, qu'elle ne m'ait jamais rien fait, qu'elle ne m'ait jamais fait une seule remarque, qu'elle ne m'ait jamais fait un seul geste agressif envers moi. Cette personne-là, tu vois, je l'ai donc rencontrée au collège. J'ai arrêté le collège maintenant. Je l'ai retrouvée, cette personne, parce que je n'ai pas déménagé et que lui non plus. Donc au final, on vit pas très loin et voilà. A toujours été que je l'ai retrouvé et je l'ai remercié. T'es con, mais je l'ai remercié de ne m'avoir rien fait. De ne pas avoir agi, de ne pas avoir suivi tous ces moutons. Tous ces cons, au final, qui m'ont détruit. Il ne fait pas partie de ces cons. Il ne fait pas partie de ces cons dont je rêverais d'avoir un Death Note pour pouvoir tous les éliminer. Il fait l'un des rares que je ne toucherais jamais si je pouvais avoir un vrai Death Note. Et pourtant, sinon, tout mon collège y passerait. Crois-moi. Donc, c'est ce genre de manga-là que je conseille réellement. C'est peut-être qu'en tant que victime, j'ai envie que, justement, certaines personnes voient les choses différemment. Alors, je viens de penser aussi encore à un autre titre. J'aurais vraiment dû préparer les questions avant, mais je voulais que ça soit spontané. Il y a aussi un yaoi qui parle de la maltraitance du conjoint. Je te mettrai le nom du manga et pareil. Au final, j'ai subi aussi ça. Et je sais pas, peut-être que si certains de mes amis avaient lu ce manga, auraient compris un peu plus ou moins ce qui se passait entre parenthèses en coulisses, hein, parce que devant tout le monde, bien sûr, fallait faire le beau. Et bien peut-être qu'on m'aurait aidé à sortir de ça plus rapidement, plutôt que d'avoir attendu de me faire jeter parce que, entre parenthèses, le jouet était cassé, donc on le balance à la poubelle. Voilà. Donc, c'est ce genre de manga-là, moi, que j'aimerais vraiment qu'on assiste et qu'on présente beaucoup plus sur des chaînes manga. Donc, moi, d'ailleurs, encore un titre. Un titre que je te présente en novembre, c'est celui-là. Il parle du harcèlement scolaire version yaoi. Et lui aussi, je pense qu'il mérite d'être lu. Donc, moi, je veux essayer quand même de réinsister, de représenter. D'ailleurs, le manga class, je dois te le représenter. Je le représenterai quasiment le jour du harcèlement scolaire. Alors, peut-être pas le jour même. Ça dépend comment ça tombe au niveau de la date. Parce qu'il y en a un des deux, entre le yaoi et celui-là, que je te présenterai. Et l'autre que je présenterai forcément le lendemain ou un truc comme ça, tu vois, ou sous 24 heures je te présente deux vidéos. Je sais pas encore comment je ferai, c'est en novembre, hein. Mais toujours est-il que c'est vraiment ce genre de manga là que je trouve intéressant et que tout le monde devrait lire. Parce que même si actuellement tu te dis ouais mais j'en ai rien à foutre parce que moi actuellement au collège par exemple je me fais pas emmerder, mais qui te dit que quand tu vas changer de collège, que tu vas déménager, que ce sera pas toi un jour la victime? Qui te dit que plus tard quand tu vas te mettre en couple, ton conjoint ou ta conjointe, parce que ça arrive que ça soit aussi les femmes qui frappent, te frappent. Et que tu sois dans un mood où tu te dis, peut-être que je l'ai mérité, peut-être que... Et puis t'es tellement amoureux aussi de cette personne que tu te dis que... Bah, peut-être que c'est normal. Pas savoir. Donc c'est ce genre-là, moi, de manga que j'aimerais réellement limite... Pas qu'on impose, mais qu'on recommande chaudement à tout le monde. Et que il y a certains mangas, franchement, que des fois j'ai envie de dire que tout le monde devrait avoir lu. C'est-à-dire que même le manga, sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Je trouve que, mine de rien, tous les instits, je suis désolée, mais tous les instits, tous les professeurs, tous les... Enfin, de maternelle à fac,
devraient le lire parce que ça les ferait prendre conscience des fois de certains trucs. Et personnellement, moi, personnellement, honnêtement, je serais ministre de l'éducation, je me mettrais en imposition de lecture à tous les profs. De maternelle, de 3 ans, même crèche à fac. Hein. Donc voilà. Donc pour ce 30D Manga Challenge, jour numéro 5, nous avons la question du manga qui mériterait d'être plus connu. Et moi, je ne te dirai pas un manga, mais plutôt un genre de manga. Ce sont les mangas qui vont nous raconter la vie de personnes qui ont réellement vécu. Je pense notamment à, bah, Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, La fillette au drapeau blanc, tout ça c'est des éditions Akata. On va avoir Life. Tout ce genre de manga en fait qui nous parle d'un vécu, Bateau Usine, que je connais de nom, que je n'ai pas encore lu, et je l'ai monté tout à l'heure pour t'en parler, mais par exemple celui-ci, L'affaire Sugaya, l'histoire vraie d'un homme accusé à tort. Donc là on va vraiment nous parler d'une histoire vraie d'un... Je ne calculais que j'étais en rouge et que le truc est rouge. Voilà. Mais toujours est-il que c'est ce genre de manga-là, en fait, que j'aimerais qu'il soit plus connu. Parce que c'est des mangas très intéressants et surtout, en fait, tu, sans le vouloir, tu t'enquilles, tu emmagasines la vie d'une autre personne. Je l'ai déjà dit lors de deux présentations de films humains qui sont du même producteur ou réalisateur, je sais plus. Enfin bon, c'est la même personne qui a créé les films, toujours est-il, que c'était donc le tel père, tel fils et notre petite sœur. Et au final, je disais que rien que notre petite sœur, après avoir vu le film, d'ailleurs, c'est notre petite sœur, au passage, si tu n'es pas trop pour les films humains, l'œuvre existe aussi en manga sous un autre nom. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo si ça peut t'intéresser. Mais toujours est-il que, par exemple, notre petite sœur, au départ, par rapport au scénario et à la situation des trois grandes filles, des trois grandes sœurs, honnêtement, j'aurais réagi pas du tout de la même façon qu'elle. Et au final, après avoir vu le film, je me suis rendu compte que j'étais en tort et que ma façon de penser était erronée. Et donc, c'est ce genre de manga que j'apprécie parce qu'au final, ça me fait prendre du recul et j'ai l'impression en fait d'enfiler la vie de la personne, mais en même temps aussi d'emmagasiner de la. C'est entre grands guillemets, mais de la sagesse en fait. J'ai l'impression en fait de prendre un coup de vue à chaque fois que je lis ce genre de manga et de me dire. Bah, en fait, de me mettre à leur place et de me dire, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place, etc. Et j'aime vraiment ce genre de situation et j'aime vraiment ce genre de manga. D'ailleurs, chez Akata, il y en a pas mal de ce genre-là parce que je viens de penser à deux titres, comme Le paysan et la pomme, je sais plus trop le nom exactement, je suis désolée, Akata. Et une autre œuvre aussi qui est comme ça dans le même genre, mais Akata en a fait pas mal d'ailleurs de ce type-là. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, énormément, énormément. Donc c'est ce genre de manga-là que je trouve qui mériterait d'être plus connu parce que souvent il passe complètement inaperçu. D'ailleurs, il y a aussi le manga Daisy de Akata. J'ai pas réfléchi à la question avant. Donc voilà, donc c'est ce genre de manga-là que j'aimerais qu'il soit beaucoup plus connu. Ce sont ceux qui nous racontent des vraies histoires et des histoires bah, qui finissent pas forcément en happy end parce que toutes les histoires ne finissent pas en happy end. Voilà, donc c'est ce genre-là. Numéro 6, la question est quel est le manga au plus beau coup de crayon? Et je pense que je l'ai déjà dit lors de précédents épisodes, enfin de précédentes journées, mais en fait ces questions-là, je veux vraiment qu'elles soient assez spontanées. Donc je lis juste à chaque fois la question 1 minute maximum avant d'allumer la caméra. Et donc en ce qui concerne le manga qui a le plus beau coup de crayon, là comme ça, je te dirais honnêtement le manga L'étranger de la plage. Honnêtement, le coup de crayon est juste badass au niveau des décors, etc. C'est vraiment oufissime et j'ai vraiment surkiffé cette qualité de dessin qui était vraiment impressionnante. Donc, le manga a une suite du nom de L'étranger du Zéphyr. Je ne sais pas si l'auteur s'est amélioré entre-temps ou pas.
ou s'il est resté sur cette même qualité de dessin, mais je dois avouer quand même que L'étranger de la plage a une qualité de dessin plutôt badass. Alors certes c'est un yaoi, mais si tu n'aimes pas les yaoi, tu peux très bien te permettre de regarder jusqu'aux trois quarts du manga sans avoir aucune relation charnelle et donc admirer la qualité du dessin qui vaut vraiment le détour. On attaque donc avec le jour numéro 7 et donc la question numéro 7 est: quel est le manga le plus marrant que j'ai pu lire? Et donc en ce qui concerne le manga, il y en a trois vraiment que je vais citer. Il y a d'abord le manga Fruit Basket. Et en fait, quand j'ai fait la vidéo sur le tag, le gros tag 100% manga, je crois que c'est ça le titre, une abonnée m'a repris et j'ai bien aimé en fait justement qu'elle me mette ce commentaire parce qu'elle m'a dit: ouais mais Ibi, il y a aussi le manga Switch Girl qui est plutôt fun. Et je dis: ah mais oui bien sûr, je l'ai lu Switch Girl et il est génial. Et là aussi tu te tapes des barres. Et encore Fruit Basket, si tu te marres, je peux te dire que le niveau sur Switch Girl c'est encore plus élevé. Je dis ça, je dis rien. Donc en ce qui concerne le manga Switch Girl, à savoir que j'ai fait des bilans lecture parce qu'il s'est terminé il n'y a plus en France, donc je t'invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien de mes bilans lecture sur ce manga. Donc il y a le manga Fruit Basket, Switch Girl et je dirais le manga Maid-sama. Maid-sama, je compte le racheter et le lire quand j'aurai déménagé, mais voilà, pour l'instant je l'ai déjà lu, je l'ai présenté mais je crois qu'il n'y a plus la vidéo. Et je compte le relire prochainement, mais voilà, j'ai fait la connerie de le revendre. Voilà. Donc voilà quels sont les trois mangas personnellement que j'ai le plus aimé, qui m'ont fait le plus rire, je pense. Il doit y en avoir d'autres qui sont quand même plutôt fun, mais je pense quand même que ceux-là, ce sont mes chouchous. La question du jour numéro 8 est le manga le plus triste. Donc ouais, les jours où j'ai filmé ce côté-là et donc ces tenues-là, les thèmes n'étaient pas joyeux. Donc le manga le plus triste, honnêtement j'aurais pu t'en sortir 2-3 titres qui étaient vraiment très très tristes et très poignants. Mais j'ai réussi quand même à en sélectionner qu'un. Alors je vais dire vite fait les titres auxquels j'ai pensé. J'ai pensé à Double Jeu des éditions Akata, j'ai pensé à Dernière Heure des éditions Akata, j'ai pensé à Virgin Biter ou Biter Virgin, je sais jamais, des éditions Kiyun. Et j'ai pensé à Horror Summer Holiday des éditions Delcourt Tonka. Mais je pense que le plus poignant que je possède et que j'ai pu lire, je pense, hein. Ou alors, il y a aussi triste, mais je sais pas si il compte réellement le manga sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Mais est-ce que c'est triste réellement ou est-ce que j'ai pleuré parce que tout simplement je me suis retrouvée énormément dans le manga? Ça reste à débattre. Et donc le numéro 1, celui vraiment... pour cette vidéo, ça va être le manga La fillette au drapeau blanc de Saya Miyoshi et c'est d'après la vie de Tomiko Iga. Donc voilà en ce qui concerne ce manga. Donc c'est un manga où on suit les aventures d'une jeune fille qui a vécu la guerre en avril 1945 à Okinawa. Voilà. Tandis que le Japon est entré en guerre depuis quelques temps déjà, la petite île tropicale nippone semble encore épargnée par les conflits. C'est là-bas que vit la petite Tomiko, dans la joie et la bonne humeur, malgré l'absence de sa mère. Pourtant, quand les bombardements commencent et que son père doit partir au front, son quotidien bascule et désormais, il faudra survivre. Donc il faudra survivre, survivre envers et contre tout. Voilà, pour une fois j'ai lu le résumé, j'ai réussi à le lire correctement. Donc voilà le manga que je te conseille, en tout cas le manga le plus triste que je possède, ça va être celui-ci. Jour numéro 9 et la question est le manga le plus bizarre. Donc le manga le plus bizarre que j'ai pu lire, je pense que ça va être Scary Toon. Tout simplement parce qu'au final je n'ai pas compris du tout le délire et je n'ai pas compris du tout où voulait en venir l'auteur. Parce que pour moi ça a été, en tout cas dans ce que j'en avais lu, c'était que des petites histoires courtes, on était toujours avec le même endroit, le même lieu, on avait l'impression plus ou moins que ça se continuait, mais les chapitres n'étaient jamais travaillés, n'étaient jamais aboutis, on n'avait jamais de fin, on ne comprenait jamais ce qui se passait, et j'ai trouvé ça très 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 étrange comme manga, honnêtement. Donc pour moi je pense que le manga le plus bizarroïde que j'ai pu lire, c'était donc le manga Scary Toon. Aujourd'hui je te retrouve donc pour le jour numéro 10 et la question est: mon héros de manga préféré. Et là en fait celle-ci, celle de demain et celle d'après-demain, les questions sont à peu près dans le même genre et c'est très compliqué étant donné que je ne lis pas beaucoup de shonen. Ce n'est pas du tout mon genre préféré en manga, je préfère en animé. Donc comme la question est pour du manga, ça a été très 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 compliqué de trouver une réponse. Alors en fait je te dirais que j'ai beaucoup aimé Shinrei dans le manga Samouraï des Beurkyo.
Je sais plus du tout si c'était un gentil ou un méchant. Je crois qu'il était méchant au départ et qu'il est passé chez gentil. Mais ça fait tellement longtemps que j'en suis pas sûre. Sinon, je te dirais le méchant Kyo. Moi, personnellement, j'ai adoré le méchant Kyo. Donc, Samurai des par Kyo. Sinon, j'aime énormément l'ange et le démon dans Devil Devil. C'est un vieux manga et il a été stoppé jeune, mais aussi, pardon. Donc voilà. Et sinon, je te dirais les protagonistes dans Le Prince des Ténèbres et donc Waltz. J'aime bien, je crois qu'il s'appelle La Cigale, le héros dans Waltz. J'aime vraiment ces deux personnages-là. Voilà. Donc je suis désolée pour cette question, mais c'est vrai qu'étant donné que je lis pas beaucoup de shonen, ça a été un petit peu dur. Sinon, je te dirais aussi le protagoniste clé, donc qu'on voit sur la couverture numéro 1 du manga Hidden Closer, tout simplement parce que j'aimerais bien être à sa place. Je t'avoue, c'est surtout pour ça. Et on est donc sur la journée numéro 11. Et la journée numéro 11, la question est: quelle est mon héroïne préférée? Alors, étant donné que j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup de mangas, je vais pas m'arrêter sur un personnage en particulier, mais plus te dire un genre de femme que j'aime. Ce sont les femmes qui ont un sacré caractère, qui savent ce qu'elles veulent, qui, un peu comme je crois que c'est le cas dans Maid-sama, parce que ça fait une éternité que je l'ai vu, hein, je dois l'admettre. C'est les femmes justement qui ont presque plus rien et qui doivent quand même se démerder pour gagner leur vie en même temps, alors qu'elles sont lycéennes, en même temps qu'elles ont les études à faire, qu'elles doivent avoir forcément de très bonnes notes pour pas que ça influence leur vie scolaire, mais qui en même temps doivent travailler, gagner des sous pour survivre dans la vie de tous les jours. Et c'est ce genre de femmes avec un sacré caractère que j'apprécie. Pour donner une idée, en fait, alors, on est sur les personnages de manga. Au niveau du caractère de l'humain, si j'ai une amie qui est comme ça ne me dérange pas, hein, soyons clairs. Mais pour faire les grandes lignes, je préfère les femmes, et d'ailleurs je suis un Shikamaru, hein, je l'ai fait en cosplay, et je suis Shikamaru aussi dans l'âme. Je préfère les femmes telles que Temari. Putain, mais les femmes comme Temari, mais moi je les épouse quand elles veulent en fait, limite. Voilà, j'aime les Temari. Je préfère le genre de personnalité à la Temari, vraiment violente limite, et qui donne des ordres, et t'es limite, t'es un mode un petit chien qui baisse ses oreilles. D'accord, maîtresse, pardon, maîtresse, j'ai pas fait de bêtises, maîtresse, je te jure. Voilà, je préfère ça plutôt que les filles. Alors, je suis désolée pour ma meilleure amie, je suis désolée de dire ça, mais je n'aime pas les femmes comme Hinata, le personnage de Hinata. Les femmes, en fait, j'ai du mal avec les personnages féminins qu'il faut protéger, qu'il faut coucouner. Qui voit les petites. Après, les personnages un peu nunuches, c'est pas le genre de femme que j'aime. Et bon, ma meilleure amie, elle a fait le personnage d'Hinata, c'est pour ça que je vais m'excuser. Mais ma meilleure amie, je peux te dire qu'à côté, quand j'ai un problème, c'est ce que je dis très souvent, c'est mon Rottweiler. Je pense que tu as compris ce que je sous-entendais. En gros, tu m'emmerdes et j'arrive pas à me démerder et quelqu'un me casse les. Voilà. Quand j'y arrive plus, c'est ma meilleure amie qui s'en charge parce qu'elle n'aime pas que je souffre ou que. Voilà. Et quand elle s'y met, c'est un putain de Rottweiler. Voilà. Le bon gros Rottweiler, bien méchant, bien. Le vrai Rottweiler. Voilà. Et donc, elle a fait le personnage de Hinata parce qu'elle est très, 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 très timide comme Hinata. Mais après, au niveau du caractère, c'est une femme comme ma meilleure amie, justement, qui a un caractère fort, qui est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et c'est ça que j'aime justement chez ma meilleure amie. C'est un peu sur le côté tout timide, qui est tout choupinou et qui me fait complètement fondre et craquer. Et autant, j'aime aussi son caractère fort, cette femme forte que j'aime franchement dans tous les personnages, même dans les séries télé. C'est les femmes fortes comme ça que j'aime. Exemple, tout con, je sais pas si vous regardez beaucoup ce genre de série ou si vous connaissez cette série, mais Desperate Housewives, je surkiffe. Brie Van de Kamp. Genre, son mari il est mort, elle souffre quand même, mais non, il ne faut pas pleurer en extérieur, il faut pleurer à l'intérieur de soi, on ne pleure pas devant les gens. Et c'est ça que j'aime énormément, c'est que c'est une femme forte et tout ce qu'elle a vécu, elle est forte, et même si elle est tombée dans l'alcool, on est d'accord, mais c'est ce genre de femmes qui ont du caractère et qui savent ce qu'elles veulent. Et bah, d'ailleurs, elle a monté son entreprise, le personnage a monté son entreprise après de bouffe et tout ça. C'est ce genre de personnage-là que je vais kiffer, honnêtement. Voilà. Donc, c'est les femmes fortes que je surkiffe, et peu importe le manga, c'est voilà, les personnages qui doivent tout mener de front, qui ont une vie très dure, très difficile, et qui
quoi qu'il arrive, savent se relever et se battre pour continuer d'avancer. Et c'est quelque chose que j'admire énormément, même dans la personnalité de tous les jours. Mais après, je tiens à insister, c'est pas parce que, par exemple, une de mes amies va être du genre nunuche, cute, besoin de tout temps, le genre de fille qui a tout le temps besoin d'être protégée par un mec, par rapport à tout ce qui l'entoure et par rapport aux emmerdes qu'elle peut avoir, que je vais détester ce genre de femme. Là, on est vraiment sur le personnage de manga et juste une préférence, voilà. Mais après, si tu es genre la fille qui a vraiment tout le temps besoin de protection, tout le temps besoin d'être rassurée, etc., dans la vie de tous les jours, je parle, ça ne me dérange absolument pas. Je te retrouve donc pour la question et le show numéro 12. Et la question numéro 12 est donc, quel est mon méchant préféré ? Et là, ça a été un petit peu compliqué. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en fait, la plupart et la plus grande partie de mes lectures sont des histoires d'amour. Shoujo, Josei, Yuri, Yaoi. Hentai. Est-ce qu'on compte le hentai ? Ouais. Bon, toujours est-il que je me suis retrouvée comme un con en me disant « Ah ouais, mais le problème est que au final, shonen, t'en as quasiment pas dans tes étagères et à part dans les seinen, voilà. » Le jour où je filme, je n'ai pas terminé Arachnid et je suis en train de me poser la question parce que j'ai les mangas derrière. En train de me demander si dans Arachnid, il n'y aurait pas un des méchants que je pourrais aimer. En ce qui concerne mon méchant préféré, si je réfléchis bien, je te... Alors, il y a des trucs où... Il y a des titres où je suis plus trop sûre de ce qui se passe. Est-ce que le personnage est réellement un méchant ou pas? Alors, on va voir dans... Sûr dans ce que je me rappelle. Il y a dans Kurokami Black God, le grand frère, qui est le méchant de l'histoire. Dans les vieux mangas que j'ai pu lire, je pense à un shonen d'ailleurs, je crois que c'est un... Ouais, c'est un shonen. Le manga Samurai Taper Kyo. Alors je crois qu'au départ c'était un méchant et après il est devenu gentil, ça arrive très souvent. Je pense à Shinrei. Si je ne me trompe pas du nom, Shinrei, d'ailleurs j'ai voulu le faire en cosplay, il manque les armes. Sinon j'avais la tenue, j'ai la perruque, mais il me manque l'arme. Mon père a toujours un petit bug par rapport à cette arme-là. Mais il me semble que Shinrei était méchant au tout début et qu'il tourne. Alors je dis ça, je dis il me semble parce que ça date de... Il y a tellement longtemps, j'étais encore au collège. Voilà, j'étais encore au collège. Ouais. C'était dans mes 10 premières lectures manga, donc je l'ai pas relu depuis. J'envisage de le relire, mais je vais attendre d'avoir déménagé, comme ça me fera une lecture pour... quand j'aurai déménagé, qui me tiendra pas mal de temps, parce que 38 tomes, je pense que je vais te le faire en à au moins 5 bilans lecture, hein, une fois par semaine pendant un mois. Mais voilà, donc je pense à Shinrei, sinon je pense au grand frère dans Kurokami Black God. Sinon, en méchant, je te dirais, c'est le manga, ah oui, La Cité des Esclaves, voilà. Le méchant dans La Cité des Esclaves, c'est vrai, je l'aime bien. Mais sinon, c'est un petit peu compliqué. En animé, là, je pourrais t'en dire. Voilà, en animé, vu que j'ai bouffé beaucoup de shonen en animé, il y avait de quoi faire. Mais là, en version manga, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On se retrouve donc pour le jour numéro 14. Et la question est un manga que tout le monde aime, sauf moi. En fait, il n'y a pas un manga, mais plutôt plus ou moins un genre de manga, entre grands guillemets. Ce sont tout ce qui va être Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia, Degreyman, etc. Tous ces titres à rallonge, à la mode, c'est du pur shonen. Et c'est toujours le même truc de base, en fait. Et ce n'est vraiment pas le genre de... je sais plus si j'ai dit One Punch Man. Mais c'est vraiment pas le genre de manga qui m'intéresse et ce n'est absolument pas dans mon délire. En plus, déjà, ce sont des shonen et je préfère largement en animé. Mais même en animé, je n'aime absolument pas ces titres en particulier. Déjà, trop de hype, trop connu, on en voit partout. Si tu vas dans une convention, t'as des goodies que de ça, limite. Et les autres mangas, eh ben, ils peuvent toujours crever. Donc ce n'est vraiment pas dans mon délire, ce n'est pas du tout le genre de manga que j'apprécie. Et même s'il n'y avait pas tout cette hype autour, c'est vraiment pas du tout le genre de manga qui m'intéresse. Je préfère largement le manga, par exemple, Gamaran ou Gamaran, qui était bien plus intéressant plutôt que Naruto. Honnêtement, si je compare, et en plus on est plus ou moins à la même époque au niveau des samouraïs, je préfère largement. Et je vais préférer même largement, si je dis pas de bêtises, j'aimais le manga Samurai Deeper Kyo, pareil à Naruto ou autre, voilà. Donc n'hésite pas à me dire quel est toi le manga que tu penses que tout le monde a aimé sauf toi. Après là, honnêtement, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Je pense d'ailleurs à mon collègue youtubeur Aurélien Manga qui n'est pas du tout non plus dans ce genre de délire. On se retrouve donc pour le jour numéro 15 et la question numéro 15, on va la découvrir ensemble, c'est...
un manga que tu as aimé mais que personne ne connaît. Trop facile. Trop facile. Le manga Dites-moi que j'existe. C'est un manga terminé en 3 tomes des éditions Panini, si je dis pas de bêtises. C'est un manga qui a été stoppé au niveau commercialisation il y a très longtemps. Je crois qu'il y en a beaucoup qui devaient avoir des couches à l'époque où il a dû être... Non, mes abonnés, je crois qu'il y en a encore qui devaient porter des couches, je pense, à l'époque où il a été stoppé. C'est un manga, certes, pas très connu. Certes, la couverture ne donne pas spécialement envie. Ok, je t'avoue aussi que la qualité des dessins, voilà, le manga n'a rien pour lui au niveau esthétique. Mais alors, putain, le scénario, je suis désolée, il fallait bien ce mot. La concertée, il l'a fallait. Le scénario, j'ai juste surkiffé ce manga. Et j'aime tellement ce manga, je crois que je... Alors, il fait pas partie vraiment des mangas que j'ai le plus relu, mais quand même, si j'avais réfléchi un petit peu plus à cette question, le jour où il y avait la question, le manga que tu avais le plus relu, je crois que justement j'aurais pu le placer, parce que Dites-moi que j'existe, j'ai dû au moins le relire 5 fois, depuis que j'ai commencé les mangas. Et il fait partie quand même, je crois, des peut-être 10 premiers titres que j'ai dû acheter, voire les 20 premiers grand maximum. Mais franchement, Dites-moi que j'existe, c'est con, hein, parce que franchement, au niveau esthétique, donc couverture ou qualité de dessin, il n'a rien du tout pour lui. Il n'a rien pour plaire. Mais alors le scénario, moi j'ai juste adoré. Et donc c'est l'un des mangas que moi j'ai aimé, mais que personne ne doit connaître. Parce que je veux savoir d'ailleurs si tu es un pancha, si tu as déjà lu ce manga, même si tu commandes jamais ta life, s'il te plaît dis-moi juste, mais moi je l'ai lu. Voilà, que je sache s'il y en a un ou deux qui l'ont déjà lu. Mais putain ce manga, voilà, je suis désolée. C'est un manga start en 3 tomes, certes la qualité, voilà, je le redis, la qualité est nulle, les couvertures sont très moches, mais mon dieu, le scénario à l'intérieur il est bien, et personnellement je me suis retrouvée dedans et j'ai vraiment apprécié cette lecture, et voilà, c'est un des mangas que je revendrai jamais. Même si tu vois, je l'ai déjà lu 5 fois, donc tu pourrais te dire, ouais, bah t'as plus besoin de le relire, quoi, à force tu le reliras peut-être pas, mais franchement, la voix dans mes étagères, c'est quelque chose de très important. On se retrouve donc pour le jour numéro 16 et la question est, quel est le plus long manga que je possède? Alors, il y a un manga que j'aurais bien compté parce qu'au niveau du nombre de tomes, il était plutôt pas mal. Mais étant donné que je l'ai revendu, ça compte pas, sinon c'était le manga Shaman King. Même si honnêtement, en fait, je l'ai acheté mais je ne l'ai jamais lu. C'est tout simplement, c'était l'époque où... Je ne savais pas que faire les deux versions me déplaisait. Et quand j'avais eu Shaman King enfant, ben, quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai eu du mal. Je crois que je l'ai terminé, mais j'en suis même pas sûre tellement que j'ai pas de souvenir en fait. Voilà. Donc Shaman King, sinon un manga que je possède toujours et que j'ai gardé, c'est le manga Samurai des Pères Kyo. Comme je l'ai dit dans un des épisodes précédents, je crois que c'était le jour numéro 12, je te disais tout simplement que Samurai des Pères Kyo, je l'ai. Et j'envisage tout simplement de le relire, mais je me le garde en fait pour quand j'aurai déménagé. Parce que je me dis que ça me ferait 38 jours de lecture, et donc 38 jours où je n'ai pas acheté le manga. Et après avoir fait un déménagement, je pense que je serai plutôt à sec et ça va être un petit peu galère les premiers mois. Donc je me dis que pouvoir relire un manga et te faire 5 vidéos quasiment avec un titre, c'est plutôt pas mal. Sachant que aussi, logiquement... Je pourrais peut-être arriver à squatter une étagère d'une personne pour pouvoir lire d'autres mangas. Donc peut-être que je pourrais aussi m'arranger un petit peu pour pouvoir te faire des vidéos sans trop dépenser. Mais voilà. Donc le manga le plus long que j'ai dans mes étagères actuellement, je crois bien que si je dis pas de bêtises, il n'y a que Samurai Diver Kyo. Et sinon après c'est plus autour de 20 et quelques tomes. Comme déjà le manga Life qui est en plus ou moins 20 tomes. Et voilà, je crois. Donc surtout à chaque fois n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, parce que si je n'ai pas tout trouvé le jour même, parce que je fais les vidéos sans avoir réfléchi à la question à l'avance et sans avoir regardé non plus mon étagère, n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, je complète à chaque fois s'il y a besoin de compléter. Voilà.